Bună ziua! Dar prin faptul că majoritatea oaspeților sunt francezi, sau vorbitori de limba franceză, vă rog să-mi permiteți ca prezentarea intervenția noastră să se realizeze în limba franceză. Mă voi strădui să induc ideile și, ce știu eu, răspunsurile dorite în limba franceză. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être ici, d'être invitée par les représentants de l'Institut français, par l'ambassade française à Bucarest. Et avant de commencer, de vous dire quelques mots sur mon intervention, je voudrais bien répondre à la question quelle est la jeunesse, parce que aussi notre collègue a eu ses dilemmes concernant la jeunesse. Tu sais pas où est la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Je pourrais bien vous dire une courte histoire. J'étais la représentante de l'université à une réunion très très importante ailleurs, à l'étranger dans ce pays francophone. Et j'ai téléphoné, j'ai contacté dans ce mon directeur du Centre de coopération internationale et j'ai dit « Monsieur le directeur, je suis la plus jeune, là, qu'est-ce que je veux faire ?» Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont secrétaires d'État, des ministres, des représentants des universités à haut niveau. Et mon directeur m'a dit, un peu rigolant, de ton sérieux, Valentina, la jeunesse est un état d'esprit. Donc sois tranquille, tu vas réussir. Et j'ai réussi, mais toujours avec des émotions, des tremblements, de la nervosité. J'ai dit, mais non. La prochaine fois qu'il y a un auditoire, des gens qui sont plus âgés que moi, je ne vais pas participer. Mais j'ai participé, je vous rassure que j'ai participé même fois. Bon, et maintenant, mon travail, c'est-à-dire la responsable des coopérations francophones au Centre des coopérations internationales de l'université, est une tâche, c'est un travail vraiment très très difficile. Quand je suis arrivée pour la première fois au bureau, j'ai dit, quelle que soit la question, la réponse sera toujours pour toi la francophonie. N'importe quelle personne entrée dans ton bureau, tu vas dire, la réponse est la francophonie. On luttera, on va faire toutes les démarches pour la francophonie parce que tu es responsable de la francophonie. Avec ces idées, j'ai réussi à travailler pendant 3 ans au Centre de l'Université de Bucarest, au Centre de coopération internationale. Et avec cette idée, j'ai commencé à travailler pour les formations francophones et pour développer la francophonie au sein de l'université. Ça veut dire, bon, à l'heure actuelle, je pourrais bien vous dire brièvement, parce qu'on n'a pas le temps, quelques dates, quelques données concernant la francophonie au sein de notre université. On a signé, et il y a des accords actifs à l'heure actuelle, 50 accords bilatéraux et départementaux, autres que Erasmus. Donc je ne parle pas, je ne suis pas représentante d'Erasmus, même si j'avais tant de mobilité Erasmus+, etc. Maintenant, j'ai travaillé juste pour les coopérations avec des universités, des accords interuniversitaires et des accords départementaux. Donc à l'heure actuelle, il y a 50 accords actifs. Après, qu'est-ce qu'on a de plus? L'université Babeljoué et membre actif de l'Agence universitaire de la francophonie dès qu'elle a été de sa naissance à partir de 1995. Donc on est là et on est très actifs dans le projet. Après, je vais revenir à un projet de renforcement des relations université-milieu d'affaires, mais je vais vous dire après. Qu'est-ce qu'on a pour la francophonie? Comment on essaie de développer la francophonie? Par les biais, évidemment, des mobilités des étudiants dans le cadre des accords. C'est très très important. On a des partenariats avec le club d'affaires francophones. En 2012, on a eu des contacts avec M. Héran et Michaela de Colu, la représentante du club, et on a essayé de développer des projets ensemble. Donc le club est notre partenaire et j'espère qu'on aura bientôt un partenariat vraiment assez étroit par la signature d'un protocole spécifique dans ce sens. Après, qu'est-ce que je pourrais dire sur la francophonie? L'université est toujours active en ce qui concerne le programme de bourse qui est financé par les gouvernements généraux, le projet de bourse de recherche et le GNNESCO. Un programme qui gère la gestion du projet sous l'AUF et par l'AUF. Et après, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Et après, je pourrais dire
que la francophonie se développe grâce aux formations francophones. À l'heure actuelle, à l'université Paris-Bruy, il y a 13, je pourrais dire 14, parce qu'il y a encore une autre formation qui est en train d'être accréditée, 14 formations francophones. Ce sont des formations de haut niveau de recherche, d'études, où la langue française est la langue d'enseignement, où parfois il y a des langues qui sont conjointement enseignées, par exemple l'anglais, l'italien, l'allemand. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on essaie toujours d'avoir des entretiens, des rendez-vous, des réunions avec des professeurs en essayant de trouver la modalité la plus adéquate de réaliser une telle formation. Jusqu'à présent, on a des formations francophones à la faculté de lettres, à la faculté de droit, à la faculté d'études européennes, à la faculté d'histoire et de philosophie, et à la faculté d'études, à la faculté de gestion d'affaires, d'études économiques. Et on essaie toujours de recevoir des demandes de la part des facultés afin de réaliser des formations francophones, bien sûr, surtout en ce qui concerne la demande des étudiants et la demande du marché du travail. C'est très important. Et dans ce sens, ce que je vais vous dire dernièrement, c'est le projet qu'on a réalisé, qu'on essaie de réaliser parce qu'on l'a écrit maintenant. C'est la mise à l'œuvre d'un projet de renforcement des relations entre l'université et le milieu d'affaires socio-économique. Je parle d'un projet francophone, mais si jusqu'à présent il y avait beaucoup de projets au niveau de l'université, le défi pour un autre bureau, c'était d'avoir un projet francophone. Et on a eu des partenaires, on a des partenaires à l'université de Szeged, l'université transylvanienne de Brașov, et qu'on désespère pour ce projet, on désespère des acteurs universitaires, l'université Paris-Dauphine, une très grande université de Paris, et non seulement en France aussi et dans le monde entier, et Jean Moulin Lyon 3, en ce qui concerne les partenaires académiques, en ce qui concerne les partenaires socio-économiques, on a essayé, on a tenté, on a réussi d'avoir des collaborations avec des entreprises afin de réaliser nos objectifs. Quel était l'objectif et quels sont les objectifs? D'être, nous, comme université, un pont entre les étudiants et le milieu socio-professionnel. Ça veut dire que les étudiants doivent devenir les acteurs principaux dans ce film qui est destiné à eux. D'avoir toujours la possibilité d'aider nous comme université, d'être un acteur entre les deux acteurs, milieu d'affaires et les étudiants. Et dans ce sens, le rapprochement entre les étudiants et le milieu d'affaires par le biais des universités, c'était vraiment un défi pour nous.